La coopérative Jura Béteil regroupe aujourd'hui 1200 éleveurs. C'est 75 000 inséminations animales qui sont réalisées chez les bovins. Les éleveurs ont très vite compris que la maîtrise de l'insémination artificielle et de la sélection passait par la nécessité de se regrouper. On a créé un fonds professionnel pour pouvoir assurer ces travaux de recherche. Aujourd'hui, on dispose de l'ensemble du matériel zoogénétique de nos taureaux depuis 1960. Donc on a une réserve de biodiversité importante de nos taureaux. Les coopératives et l'élevage en général est soucieux des enjeux sociétaux de demain. Nous devrons, à travers nos élevages, être en capacité d'avoir des animaux qui génèrent moins de rejets, qui produisent des aliments de qualité, qui nous permettent d'utiliser moins de médicaments. La réussite demain dans nos programmes de recherche et dans la capacité à mettre en évidence de nouvelles innovations, nous devons avoir la capacité de mutualiser nos forces au niveau européen comme on est capable de le faire en France entre coopératives pour que les innovations nécessaires à la pérennité de nos élevages soient assurées. Le modèle coopératif pour développer nos activités extrêmement mutualisées de génétique était une évidence. Demain, je suis persuadé qu'il restera le modèle le plus adapté pour répondre aux enjeux.